Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui sur le circuit de Donington Park, sur Race Room. Le tracé vient de débarquer sur le jeu, c'est parti. C'est ce mardi que les serveurs ont été mis à jour et que ce contenu a été rendu disponible après un teasing ce week-end. Alors on est avec la Formula Race Room 3, la petite F3, une voiture qui est très courte en suspension, très basse. L'occasion peut-être de voir un petit peu toutes les aspérités de ce circuit qui est parmi les grands classiques qu'il manquait à Race Room. Alors ça a redonné de l'espoir à certains de voir arriver du BTCC. Encore une fois, l'éternel débat quand on fait une vidéo Race Room. Mais en vrai, pas forcément. Et on a eu Nogaro, c'est pas pour ça qu'on a eu le championnat de France de tourisme. Et pourtant, voilà, on a des circuits très intéressants. On a parlé pas mal de cela lors de la dernière vidéo. Et aujourd'hui, Donington Park, un tracé mythique du Royaume-Uni avec une piste qui date de 1930. Oh, attention. Et qui vous est proposée ici dans deux versions différentes. Les deux classiques, la version nationale sans chicane et la version Grand Prix qui est celle qui avait été utilisée lors du dernier Grand Prix de Formule 1 en date en 1993. Et nous sommes justement dans cette chicane. Et les deux épingles qui vont suivre. Donc ici on a quitté le circuit national où normalement on prend la dernière chicane à droite et puis à gauche. Et ensuite cette épingle où il y a visiblement des opportunités de dépassement. Allez, un petit peu en sous-régime là. Je me suis un peu arrêté dans la partie lente, mais ça a l'air d'être bon. On va essayer de gagner quelques petites positions quand même sur ces sections du circuit où l'IA a l'air d'être un petit peu moins réactive. On va remettre en première carrément pour la dernière épingle. Et premier tour couvert. Alors pour l'instant, ça talonne pas mal avec un premier secteur plutôt bosselé. Oh, l'IA qui change de ligne, c'est particulièrement compliqué. Bah, en vrai, les dénivelés sont vraiment intéressants. Il y en a un circuit de Donington qui a l'air d'être au goût du jour. Pas vraiment eu d'évolution ces dernières années sur la piste ou autour. En tout cas, pas de modification que ce soit au niveau des bacs à gravier ou autre chose. Donc ce pont mythique qui traversait la piste ici au-dessus avec, avec les avions, c'était toute une époque. Allez, on plonge. Et donc deux versions du circuit vous sont proposées. La nationale, la Grand Prix, la petite 3 km 100 et la grande 4 km 02. Et le tout donc pour la somme de 4,98€. On s'est bien fait prendre en tenaille là entre les deux monoplaces. C'était chaud là, un à gauche, un à droite. Alors j'aimerais bien qu'on puisse prendre au moins une fois avec la bonne trajectoire cette chicane, parce qu'on peut être beaucoup plus rapide que ça. Donc un circuit qui est composé dans cette version-ci de 11 virages et qui reste donc l'un des grands classiques du sport automobile britannique. Et franchement, ça fait plaisir de retrouver une piste comme celle-ci, parce qu'avec toutes les disciplines qui sont proposées dans Race Room, on peut vraiment faire de belles choses. Faut que j'arrête, moi, c'est de bloquer mes roues. Donc j'étais un petit peu chaud là sur la balance de frein. Et donc c'est une piste complète. On peut y rouler avec des monoplaces lentes ou rapides, des voitures historiques, hein, c'est ça qui est cool aussi. Du tourisme avec les tractions qui vont être un véritable challenge dans les remontées après Cascade, où ça va être vraiment chaud de garder le rythme donc sur la troisième partie de ce circuit. Les GT donc, évidemment. Alors là, ça va être un petit peu serré hein, sur le coup. Alors ici, hop, Cascade, c'est vraiment une des sections les plus sympas avec ce grand runoff sur la partie gauche. On peut vraiment attaquer au risque de glisser un petit peu sans forcément tout de suite être puni par de l'air, ce qui n'est pas le cas ici dans la remontée où justement chacun des virages est bordé d'herbe ou de plaques d'égout. Et en vrai ici, ouais, on peut s'accrocher au vibreur, hein, on peut passer beaucoup plus vite que ce qu'on fait en fait. Hein. Là je suis pas vraiment le plus véloce de ce peloton. Il y en a un qui va nous attaquer sur la droite, en tout cas qui va tenter de venir se mettre à notre hauteur. On va pouvoir prendre pour la première fois la chicane quasiment normalement, voilà, sans que l'IA soit dans notre chemin. Et on va un petit peu plus vite hein, que nos adversaires. C'est surtout à l'épingle qu'on peut faire la différence. On va essayer de dive. Voilà, écoutez, si on nous laisse la porte ouverte, on plonge, c'est chaud. On est côte à côte, on va essayer d'ouvrir sans se bousculer de trop. Mais à la relance, c'est vrai que ces petites F3 sont très très plaisantes sur un tracé comme celui-ci. C'est pas du tout poussif.
Donc Donington qui fait partie donc, des grands classiques. On peut parler un petit peu de l'histoire de ce circuit qui a accueilli beaucoup de grandes disciplines. La Formule 1 bien sûr, donc en 93 pour le Grand Prix d'Europe, célèbre pour le départ et la victoire d'Ayrton Senna et le meilleur tour réalisé en passant dans les stands puisque la piste était plus courte puisqu'on passait à l'intérieur de la dernière épingle. Circuit qui a vu beaucoup de courses de Formule 3, le BTCC bien évidemment, on passe ici à Cascade où il y a eu des accidents terribles, notamment Keith Theodore, Nigel Mansell qui a terminé dans le mur ici à gauche pendant le Touka Shootout avec la Mondeo. Enfin voilà, c'est un circuit qui a pour moi développé pas mal de grandes courses de l'histoire du sport britannique et du sport auto international. On a eu la Coupe du Monde des voitures de tourisme qui avait été faite et à Monza et ici à Donington au début des années 90. On a eu donc du Superbike, du MotoGP, on a eu quasiment tout finalement sur une piste comme Donington. C'était l'avantage de ces tracés comme Caldwell Park, Houghton Park ou Snetterton. Il y avait véritablement de quoi faire. J'ai percuté un de mes adversaires qui était à ma hauteur au niveau de la chicane, je ne l'ai pas vu du tout dans mes rétroviseurs. Et c'est vrai que c'est un circuit que tout le monde apprécie finalement. On y a joué dans des jeux comme les Toka et autres Grands Prix. C'était des circuits qui étaient souvent mis en annexe ou en bonus. Et sur mes premières années de Sim Racing, je me souviens qu'une piste comme celle-ci sur GTR, c'était de la folie tout simplement. Ça fait un petit peu Madeleine de Proust encore une fois, comme souvent avec Race Room. Hein. On retrouve des tracés qui ont une histoire, ont un passif avec le sport auto. C'est vrai qu'ici aussi à Donington on a eu droit à pas mal de choses qui ont marqué l'histoire. Je pense à ces batailles, la course de 98, la 7ème manche du BTCC où il pleuvait des cordes. Ici Nigel Mansell était venu faire une pige pour l'équipe WSR qui a engagé des Mondeo à l'époque. Il s'était battu avec Yvan Muller, Yvan qui était là avec David Leslie, John Cleland. Enfin c'était en 98 une année assez folle, et cette course qui est dispose sur YouTube avec un certain John Watson aux commentaires et Charlie Cox. Allez voir cette petite page de l'histoire, c'est un grand moment de commentaires et de compétition auto. Et à l'époque, même s'il pleuvait, on laissait rouler les garçons. Donc voilà, la pluie et Donington aussi. Hein. C'était un duo souvent gagnant en termes de spectacle. Et en vrai, pour parler un petit peu plus technique, le circuit enchaîne pas mal de choses intéressantes. On a des compressions, des dénivelés, des virages où on doit changer de cap rapidement à l'image justement de cette chicane. On a aussi des endroits où c'est plus compliqué, des endroits enroulés comme Cascade où on a une décompression et ensuite une remontée où la voiture peut se tasser. Donc il y a beaucoup de choses qui caractérisent un tracé comme Donington, et franchement avec de la Formule 3 c'est très très fun. Il va y avoir du succès hein, pour ce circuit en multijoueur, et on commence à avoir tout doucement un petit panel de circuits anglais à disposition. Et franchement, la collection Race Room se fait, les circuits sont scannés, donc c'est toujours très intéressant. Mais voilà, le championnat de Formule 3, le championnat de British GT, le BTCC, la moto, bref, Donington est une vraie plus-value à Race Room. Franchement, si on avait été surpris de circuits comme Nogaro par exemple, on pourrait s'attendre au circuit de Pau, on l'avait déjà dit dans la dernière vidéo, mais ici voilà, Donington c'était un must-have véritablement, et j'aurais pu vous faire cette vidéo avec tellement de choses. Le Touring Car classique n'aurait pas été des yeux non plus, mais je trouve qu'avec ces Formule 3, c'est tellement un circuit à l'ancienne Donington que voilà, vous voyez que ça vibre, ça bouge, le volant est loin d'être fluide dans les trajectoires, tout simplement parce que ça talonne, ça tasse, et c'est un petit peu compliqué parfois de sortir à mon tour. On peut rapidement se faire piéger ici des virages qui paraissent pas si dangereux que ça, ou plutôt faciles à appréhender, qui finalement, une fois qu'on est dedans, on se demande encore comment on va en sortir. Donc franchement, Donington qui a beaucoup évolué, on voit les dégagements sur la droite. Avant il y avait un mur qui longeait ici cette piste, et ça reste encore à l'ancienne, vous voyez, beaucoup de bacs à gravier proches des bords de piste, finalement proches de ce qu'on retrouve dans les circuits modernes, comme à Spa-Francorchamps. Maintenant on remet des bacs à gravier, on n'en a pas voulu pendant 20 ans, et on a passé cette lubie maintenant avec notamment la moto. Et franchement, c'est pas pour me déplaire. Alors évidemment, parmi les circuits attendus, il y en aura d'autres bien sûr, parmi les voitures aussi. On a toujours cette Formula Race Room X 2022, hein, cette monoplace typée Formule 1 qui doit débarquer aussi. Et là ça bastonne pas mal avec l'une des voitures devant nous. On va essayer de prendre l'extérieur ici. Non, ça ne passera pas. Compliqué à la relance. Hein. Pour le moment, je peux vous dire que c'est très très plaisant. C'est très kiffant face à l'IA.
on se bat dans des secteurs où il y a peut faire la différence. Redescendre en deux dans casquette, c'était pas ma meilleure idée. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est très très chaud. Mais franchement, je vous invite à dépenser quelques deniers, donc 4,98€ pour deux versions de ce circuit. C'est très très fun, c'est beau, c'est encore bien réalisé. Et au niveau de l'IA, vous voyez comment que ça va, elle s'en sort plutôt bien. Elle n'a pas de gros temps d'arrêt, ce qui est souvent le reproche de certaines IA sur les nouveaux circuits plutôt tortueux sur Race Room. En tout cas, avec la Formule 3, pour une découverte, ça s'est vraiment bien passé. Et donc, je vous recommande vraiment d'ajouter Donington à votre liste. On peut l'avoir ailleurs, bien sûr, de manière plus ou moins récente, sur Air Factor 2 notamment. Et je trouve que sur Race Room, il y a tellement de disciplines qui méritent de vous faire sortir la voiture du garage pour un petit tour que ça vaut vraiment la peine. Je pense que vous n'allez pas acheter un circuit que vous n'allez pas utiliser. Et en multijoueur, c'est pareil, à mon avis, il aura un petit succès sur le ranked officiel du jeu et sur les serveurs privés, alors que là, on est vraiment roue dans roue. Et on va finir donc drapeau à damier. Voilà, la 8e position de cette course. Et bien écoutez, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous retrouvez dans la description le lien sur le store Race Room du circuit de Donington Park. Moi, je vais encore m'amuser un petit peu. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures avec la carrière My Team et peut-être la découverte d'autres contenus sur différentes simulations. Merci à tous, abonnez-vous et rendez-vous très vite. Salut les amis !